Reviens ici s'il te plaît, j'aimerais faire mon intro. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en Belgique avec monsieur. Salut, c'est moi. On est venu voir mon pote Max Extrême. C'est avec lui qu'on fait toutes nos démonstrations de BMX. On fait des initiations en skate, en roller, en trottinette, en BMX, sur toutes sortes de rampes. Mais attends, il faut du matériel pour faire tout ça. Oui, mais c'est justement pour ça qu'on est venu aujourd'hui. C'est vrai? Parce que tout ce matériel là, il a des dizaines de vélos, des centaines de trottinettes, des dizaines de rampes. Et tout ça, c'est chez lui. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui chez lui. Du coup, Max nous a invité aujourd'hui pour nous faire visiter toute sa maison. Et vous allez voir, il y a des rampes, il y a des trucs de partout. Je vous en dis pas plus, on va aller sonner chez lui. Ah. On est témoin de Jéhovah ici. Ah non. Tout est le temps. Ah non. Bon, bah. Allez, on va jouer. Dans la plus de 50 000 abonnés, on peut rentrer. Oh, ça va, yes. T'étais tout juste, hein, Pierre. Les petites chaussures. Excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes chez vous? Juste là, filou. Ok, bah merci beaucoup. Ah, mais il y a un peu de bordel. Du bordel. Ça va aller. Du bordel. Lumière. Ah bah d'accord. Un petit peu de bordel, disait Pierre. C'est tout à fait normal d'avoir 10 trottinettes dans ces toilettes. Bon, je vous laisse, désolé. Sympa tes toilettes, mais pourquoi t'as plein de trottinettes dedans comme ça? Il y a du matos partout, même dans les toilettes. T'as tellement plus de place que t'en mets même dans les toilettes. Ouais, donc si on a jusque dans les toilettes, je pense qu'à mon avis on va en trouver partout dans la maison. Alors il a un truc qui est plutôt assez cool dans son jardin. C'est pas un jardin qui sert, tu vois, genre à planter des fleurs, à faire de la déco, tout ça. Tu plantes des rampes. Comment on ouvre ta porte? C'est un tout petit peu plus haut. Tac. Ah. Et ça c'est à 180 km. Je le coupe au montage. Hein. Je suis un peu jaloux. J'avais des rampes dans mon jardin, mais j'ai dû les enlever parce que bah, les parents ils étaient pas d'accord. Franchement, Philippe, c'est une mauvaise idée que tu prennes ça. Je préférais vraiment le laisser à Max. Vas-y, à fond gaz, hein. Pourquoi je cherche sèche-cheveux si on peut avoir ça? Ça fait un peu plus de bruit qu'un sèche-cheveux, tout simplement. On a été chercher les petits vélos. On va essayer de rouler un peu, mais malheureusement, tu vois, le sol est toujours trempé, très humide. C'est l'hiver, ça ne sèche pas. Oh, il a peut-être la solution. Mais attends, c'est pas les serviettes pour se doucher? Parce qu'on dort ici ce soir, ça m'inquiète. Toi, tu te laves pas souvent, de toute façon. Vous voyez, il y a deux méthodes, il y a celle de Philippe et celle de Max. Pourquoi tu roules encore avec les mousses qui sont censées protéger ton vélo dans la voiture? Non, laisse. Si vous n'avez pas de protection pour vous, mettez des protections pour votre vélo. Attends, mais il y avait encore des rampes là-bas? Ok, une petite rampe. Je sais pas si on voit bien, mais il y a encore des vélos, des casques. Le premier essai de Monsieur Sanrio. Ça passe, oh là là. Il a cassé son frein et du coup, il en a pas remis. Et du coup, il n'arrive pas à s'arrêter. Wouah! Tu trouves ça drôle? Il a vraiment eu de la chance que ça casse pas. Oh, il a réussi. Il a réussi à se caler alors qu'ici c'est tout petit. 1, 2, 3. Wow. Ça c'est en description. C'est de la bonne qualité. On peut faire plein de choses avec. Voilà. C'est une auto-nettoyante. Non, pas dans la merde. Waouh. C'est un produit exceptionnel. En fait, ça ne se salit. Attends. Ça ne se salit jamais. Et parfait pour votre chevelure. Là, on est parti dans le jardin voir son petit cabanon. Comme dans tout cabanon de jardin, tu peux y trouver une tondeuse avec de l'essence. Et. Ah voilà. Il y a encore des vélos. On a 1, 2, 3, 4, 5 vélos. Putain, mais il y a déjà plein de trottinettes là-bas. Plein de skate. Tu fais quoi? Tu fais plus du jardin ici? Je tourne ma pelouse en vélo. Ah, ça c'était stylé ça. Ouais, on va commencer par la pièce où il y a pas beaucoup de matos. Pas beaucoup. Bah ici plein de petites pièces de rechange. Là une centaine de planches aussi. Comment ça? Il vient de dire normal une centaine de planches, non? C'est le jeu pour vraiment une centaine de planches. C'est pas une blague. Ah, et toutes les caisses sont remplies. Putain, et tu les vends et tout? Tu fais quoi avec? Je vends, je roule avec, je les casse beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Petit extrait. Beaucoup, oui. Ça c'est quoi? C'est des BMX pour enfants? BMX pour enfants. Il y a encore des trottinettes. T'as combien de casques là à peu près? En tout une centaine, je pense. Ça c'est quoi? Un tapis de course. Ça c'est pour tenir la forme en hiver quand t'as la flemme d'aller dehors pour courir. Hop. Pierre, tu veux essayer? Commence à tester, moi je suis chaud. Là, je passe ma soirée ici. Attends, je suis à fond là. Pierre, attrape un peu. Moi ça marche. C'est bon?
Pierre, tu vas mourir. Je suis plongé. Bon, ok, on passe à une autre pièce. Vu que je tente de faire comme vous là, YouTube Game Bazar. Hop là. Wow. Mais il est mieux équipé que nous, c'est un truc de fou. C'est vachement cool ici quand même. Petite plante, c'est verduré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? T'en profiter pour faire notre pub. Si je t'en prie, vas-y, commence ta pub. C'est Pierre Sorio, c'est des vidéos de VDT, de BMX et ma chaîne YouTube, c'est Pierre Sorio. Cliquez, abonnez-vous et lâchez plein de pouces bleus. Regardez toutes mes vidéos, je vous aime. Je fais aussi des vidéos, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc abonnez-vous, mettez des commentaires. Faut qu'on arrête de gratter comme ça, c'est pas possible. Ouais, on a pas ouvert quelque chose il y a pas longtemps. J'ai une marque de fête, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. C'est disponible sur le site. Non, vas-y, c'est nul les youtubeurs qui font leur pub. Regardez la description, allez cliquer sur le site internet après la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Il est super sympa ton petit studio Max, mais tu m'avais dit que t'avais plein de matos. Il y a une trappe secrète, tu cherches, tu trouves. Genre c'est caché chez toi. Ouais, mais bah, à l'étage ici. Regarde, déjà j'ai une petite idée. Ah ben non. Peut-être. Ça sent quoi? T'as croisé Nemo? Ouais. Il va bien? Il est toujours une nageoire comme ça. Oh là, oh là. Il y a un truc caché ici ou pas? Peut-être un truc. Il a un indice ou quoi? Ouais, un indice s'il te plaît. Cherchez le ciel, tu trouveras le soleil. J'ai l'impression qu'il regarde quelque chose là. Il y a un truc là. Regarde, il y a un anneau. Qu'est-ce qu'il y a? Je laisse le suspense aux abonnés. Comme ça les abonnés ils voient en même temps que moi. Il y a des milliers de trucs. Regarde-moi toutes ces barres de ficelles. Bon, on va se permettre de fouiller un petit peu dans toutes les caisses pour vous montrer. Je commence par quoi? Vas-y, ça, c'est quoi ça? Ok. Si vous faites de la trottinette, vous savez ce que c'est. Je sais pas si tu t'imagines pour combien il y en a ici. Déjà, tu vois une fourche comme ça, c'est 50 ou 60 boules. Il y a plein de fourches et plein de poignées de trottinettes ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je sais même pas ce que c'est. 86 boules, un collier de serrage. 86 euros aussi, on regarde la même boule en violet. Des milliers d'euros de pièces de trottinette. Mais tout ça, du coup, il y en a beaucoup trop pour toi. Il y a pas moyen d'en faire peut-être gagner un petit peu. Un concours. Vous en voulez? Du coup, j'en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'il va peut-être y avoir une trottinette pour vous à la fin, ou peut-être deux. Peut-être des skates pour les skateurs. Ouais, pour les skateurs. Ouais, faut faire plaisir à tout le monde. On voit ça après. Non, mais là, il y a des centaines de grippes là en fait. Vas-y, j'en suis sûr, il y a des trucs là-dedans. Il y a quoi? Vas-y, vas-y. Je sais plus exactement, mais sûrement du sale matos. Ok. Du sale. Ok. C'est quoi ça? T'as pas encore installé son sapin? Ah ouais, là, les skates tout neuf. Donc, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ses propres skateboards. Regarde, c'est dans le bon sens. Skateboard max extrême. Les trottinettes les moins bien, je crois. C'est celle du cimetière, celle-là. Et comme ici on pratique tous les sports, on a à peu près une cinquantaine de rollers. Longboard, je sais pas si vous connaissez, c'est un skate XXL. Bon, celui-là, il est cassé. Des roues comme ça, c'est presque 100 euros. Hop là. Et forcément, comme Max fait du skate, on a énormément de pièces de skateboard ici. Là, par exemple, on a un axe, valeur de 30 euros. Sauf qu'il y en a des centaines aussi, regarde. Des caisses pleines. Et des caisses pleines. Voilà. Ah bah tiens, des caisses pleines. Vous voyez ce rouleau, ça permet de mettre le grip. Et on a 1, 2, 3 cartons. Si ça peut te faire plaisir. Il est mignon celui-là. Évidemment, pour assembler ton skateboard, bah tu. Évidemment, pour assembler ton skateboard, tu as besoin de plein de vis. Plein, mais. 207 de vis par carton. Et il y a, je sais pas, 30 cartons. Ça sert à rien. Un carton, tu tiens une vie. On arrive à la partie qui va vous intéresser le plus. On a ici plein de belles trottinettes. Hein, ceux-là, ces barres-là, elles sont pas top, tu vois, c'est pas les meilleurs. Je pense qu'il y a des connaisseurs de trottinettes, district. Les meilleurs, elles sont dans les caisses aussi. On peut voir que c'est des barres quand même à 80 euros. C'est pas donné, hein. Toutes les meilleures sont là-bas par contre. Regarde les couleurs qu'elle a celle-là. Elle est bleue, transparente. On peut voir les soudures à l'intérieur. Tes barres, c'est quand c'est droit. Ouais. Et quand ouais. C'est penché, tordu, ça s'appelle comment? Pas tes barres, ok. Antoine, il serait fou ici. Nous sommes dans le paradis de scoot de street. Étant un petit peu connaisseur de BMX, je peux vous dire que les deux BMX qui traînent ici, ils étaient bien il y a 15 ans. C'est moi, pieds nus comme ça, c'est mauvais bruit. Bon, du coup, on a fini notre petite exploration du grenier. On essaie de compter un petit peu. On a plus de 1000 trucs qui roulent ici, en comptant les rollers, les skates et toutes les trottinettes qu'il y a. Donc bougez pas, je pense qu'il y a un petit truc pour vous. C'était chouette. Eh bien, chose due, on va avoir de l'eau à vous faire gagner. On commence tout de suite avec la barre Phazon de fourche District rouge. On a des petits colliers de serrage avec de la marque Apex. Évidemment, pour avoir du grip, on te met du grip. Pour avoir de l'accroche. On passe donc tout de suite au deuxième lot à gagner. Là, on est sur un lot skate, la planche Max Extreme. Donc, sa planche à lui, c'est skate, c'est sa marque de skate. Vous avez les trucks qui viennent dessus, les petits roulements. Et ce qu'on met sur la planche, un grip.
Pour participer au concours, c'est très simple. Il faut être abonné à la chaîne YouTube. Tu mets un petit commentaire avec le lot que tu souhaites. Donc si tu veux le lot trottinette, tu mets j'aimerais le lot trottinette. J'annoncerai le gagnant mercredi prochain à midi quand la prochaine vidéo va sortir. Je t'invite à bien activer la petite cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Parce que là, en période de Noël, on va avoir plein d'autres trucs à vous faire gagner. Et ce serait quand même dommage de louper ça. Et c'est pas fini, comme vous avez vu ici, on a une deuxième table avec plein de petits lots à gagner. Qu'on vous propose, c'est d'avoir deux fois plus de chances de gagner. Max vous propose exactement le même concours avec les mêmes pièces sur sa chaîne YouTube. Je vous mets toutes les infos dans la description pour avoir deux fois plus de chances de gagner. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain, midi pile, dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.